Eh, hey, on va fouiller cette zone, pour voir ce qu'on trouve. C'est étendu. Ça va? Ouais. Allons chercher cette tour radio. On trouvera peut-être quelque chose dans ce bateau, là-bas. Ouvre bien l'œil. Je t'ai pas attendu, petit. Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur The Last of Us Remastered, donc sur PS4. Et on va aller visiter ce bateau. Tac. Alors, on va faire un petit tour ici avant d'aller dans la cabine où on peut descendre. Oui, je pense qu'on va commencer par la cabine. Première fois en bateau. Elle est où? C'est pas tout à fait pareil une fois sur l'eau. Chaque chose en son temps. Oui, là c'est sur la plage. Ça n'a rien à voir. Bon, là-dedans. À première vue, il n'y a que du papier. Ouh, il y a du matos aussi. On récupère une BD. Anti-particules. Ouais. Et une note. Note bateau. Bon, c'est pas trop long. Alors bon, je crois que je vais éviter le chaos et la destruction assez longtemps. Mon séjour en mer arrive à son terme. Pardon. Je suis à court de provisions et ce bateau a connu des jours meilleurs. Et puis, il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. L'heure est venue d'aller voir ce qu'il reste de l'humanité. Ça ne peut pas aller si mal, si ? Si vous trouvez mon squelette, merci de ne pas me marcher sur le crâne. Ish. Ah oui, c'est une bonne idée, ça pourrait échapper à l'infection, mais bon. Après, il faut pouvoir tenir, quoi. Ce qui n'est pas vraiment possible de rester indéfiniment sur l'eau. Pourquoi elle regarde là-haut, elle? Ellie, t'as vu quelque chose ou pas du tout? Non, apparemment non. J'appuie sur croix, il n'y a pas moyen de monter, je pense. Bon bah je sais pas ce qu'elle a regardé. On va aller regarder en bas. Hein. Hop. Ouh, attendez, si, il y a un truc. Oh, un pendentif. Alors ils sont tous différents. Josh. Scheffler. Ok. J'avais pas capté qu'il y avait des noms écrits dessus. Là y'a rien. Et puis on a même pas vu son squelette au gars là. Bon. Ok. Ellie, oui, elle est déjà là. Et ben on continue. Hein. Après, je sais pas s'il y a des choses à récupérer de leur côté à eux. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir? N'est-ce pas, Sam? Hé, hey, Ellie! Je crois qu'on a trouvé quelque chose! Allons voir ce que c'est. Ah bah j'ai bien fait de venir. Je sais même pas si on pouvait continuer en fait, de l'autre côté. Eh, je parie que ça donne sur l'extérieur. Oh, on est obligé de passer par là. J'ai besoin d'un coup de main. Y'a rien d'autre à récupérer. Un cadavre. Est-ce que c'est le cadavre du marin? Je ne sais pas. Je vois rien qui brille. Les plantes, là, ça se ramasse pas? Non. Parce que des fois, les plantes donnent l'équivalent des pilules, donc de l'XP. Tac, on est parti. Okay, allez, c'est parti. On matraque triangle. Pas assez vite, apparemment. Je pensais que c'était fini, mais non. Ok, les gars, go. Ok. C'est parti! Ok, vas-y! Ok! Eh, hey, sortez vos lampes! Ouais. Hop. Avec la lampiote, ça ira mieux. Il peut pas courir! Allez!
Bouge tes fesses, t'es à la traîne là, Joël. Super. Oh là là. Ouais. Ok, on va aller de ce côté. Ok, bah on se sépare alors. J'aime vraiment pas cet endroit. Moi non plus, mais on n'a pas vraiment le choix. Tu m'étonnes. Ils sont toujours là, de ce côté. Oh, ça va être bloqué, bien sûr. Bon. Il n'y a pas moyen de contourner tout de suite. Elle peut pas passer, là, dans le grillage. T'es passé, Finn ? Ah, par là. Si tu l'ouvres, je peux me faufiler et dégager la porte. Tant que c'est qu'un rat, c'est pas bien grave. Hein. Bon, a priori, il n'y a rien derrière, donc ça devrait aller. Non, rien du tout. Les deux autres sont toujours immobiles là-bas. Merci madame. Putain mais pousse-tu, elle m'empêche d'avancer. Alors, des pilules. Tu crois qu'ils vont venir avec nous, jusque chez Tommy ? Ça je sais pas. Va falloir attendre de voir comment les choses évoluent. Tiens, encore une note, note égout. Oh, c'est trop long, je ne lis pas. Tac. Du sucre. Au niveau de l'artisanat. Ouh. Ouais, c'est toujours pareil, un manque d'alcool. Pour faire des cocktails Molotov ou des trousses de soins. Après, je peux me refaire fumigène, on va le faire. Tac. Ouais, je peux rien faire de plus pour le moment. Hein. On repasse. À la brique. Y'a rien d'autre ici ? C'était juste pour récupérer du matos en fait. Alors fallait peut-être lire la note, mais bon. On va aller voir les deux autres. Henri et Sam. Elle a bien sifflé. J'ai pas rêvé. Je suis pas sûr, je sais pas ce que j'ai entendu. Ouais, on arrive. T'as rien laissé en bas ? Attendez, je jette un œil sous les escaliers. Non, il n'y a rien. Ellie, purée, mais elle me gêne souvent, là. Arrête de te mettre dans mes pattes. Ouh ! Des insectes qui grouillent. C'est dégueulasse. Alors, de l'eau. Apparemment, faut traverser. Non, impossible d'atteindre ça. Bah, je sais pas nager. Eh ben, on est deux, alors. Ah bah, Ellie n'est pas la seule, ok. Ça, là, à quoi ça sert ? Ok, Joël. Comment on traverse ? Attends. Ça a l'air d'être coincé, ce truc. Eh, ce truc est sur une sorte de rail. On pourrait peut-être s'en servir. Attends, il est bien coincé. Ou c'est moi qui ai foiré la manip encore. Attendez, je réessaye un petit coup. Non, non, c'est coincé. Bon, je pense qu'il faut aller à l'eau. Hop, on va jeter un œil à la surface déjà. Ouais, comment je fais moi pour atteindre le générateur là ? Je peux pas ressortir là. Hein. Bah ouais. Y'a pas une planche pour faire passer Ellie ? Oh putain. Bon, on va aller regarder sous l'eau alors. Parce que là, la surface, je vois rien. Vers la voiture non plus. Bon, on descend. Il ne veut pas, d'accord. Si. Alors je sais plus comment on remonte. On croit, ou on dirige vers le haut, je sais plus. Ouh, un pendentif.
Et bah dis donc. Deux pendentifs de suite. Alors une planche. Est-ce qu'il y a une planche qui traîne quelque part? J'ai rien vu, super. Comment je fais? Ah, voilà. Il y a un truc qui coince. Par contre, dépêche-toi, t'es sous l'eau. Prends pas ton temps. Alors, on va voir si c'est bon. Henri, essaie pour voir. Ah bah tiens. Il se bouge un peu les fesses. Ça va changer, c'est bien. Okay. Bon bah j'y vais. Je fais quoi? Je vais jeter un œil. Monte la garde. Ok. On y va. Un petit coup d'œil sous l'eau à nouveau. Non, a priori, il n'y a rien. On remonte. Ouh, la lampiote. On secoue la manette. Ouh, il y a un truc là. Un petit chemin. Une bagnole. Ouh, des ciseaux. J'en ai pas des masses non plus, les ciseaux. Ouais. Hop. A priori, on peut aller que par là. Hop, monte. Ouais. Ouh, une palette. Ça c'est fait. Il n'y a rien à récupérer là, par exemple. C'est peut-être une pièce avec surin. Ah non, même pas. Oh putain. L'idée de merde que j'ai eue. Puis j'ai même pas vérifié si on les entendait. A priori, je peux le choper, non? Est-ce qu'il va me voir? Ou je lui balance une brique? Mais non, ça va les énerver. Ah, bordel. Vous faites chier. C'est pas des claqueurs, hein? Si? Si, c'est des claqueurs. Merde. Ah, j'aurais pu les choper, mais bon, on peut pas les tuer. Proprement. Putain, mais casse-toi. Oh putain, je l'ai pas tué. Le deuxième. Putain, allô, 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 hop, on descend. Alors je pense qu'il y a quelque chose à récupérer dans la pièce quand même. Je pense pas qu'ils auraient foutu une pièce comme ça. Pour rien. Putain, il vient pas vers moi. Tu veux pas aller à l'eau? Je sais pas si ça sait nager ces machins. Ou alors je l'attaque au surin. Putain. Non, dégage. Parce qu'à part le pompe, hein, je trouve que les armes sont pas super efficaces. On va peut-être passer au fusil. Est-ce que c'est que j'ai pas de briques pour la tirer? Sors de là. Putain. Ah mais non, on va pas te planquer derrière les... Reviens. Putain, mais merde. J'ai pas envie de gaspiller mes... Ah, j'ai tiré à côté. Mais c'est pas vrai d'être aussi naze. Deux balles de gâchées. C'est génial, on va repasser au fusil à pompe. Oh merde, j'ai rangé le fusil à pompe. Mais qu'est-ce que je suis naze. Il descend ou pas? Non, il descend pas, hein. Il veut pas. Bon. Mais c'est pas vrai, trois balles de gâchées, allez. Oh bordel. Viens nager. Viens nager. Attends. J'espère qu'il va se noyer. Oh putain, mais l'idée à la con que je viens d'avoir, sérieux. Est-ce que je peux monter? Je pense pas. Putain, je peux rien faire maintenant. Je veux aller voir ce qu'il y a dans la pièce. Putain, bah ouais, mais merde, je me suis condamné, je peux plus remonter. Parce que là, il va me choper dès que j'arrive. Attendez.
putain, je suis vraiment pas doué. Hein. Puis il bouge tellement de manière saccadée. Oh putain. Dégage. Dégage. Puis en plus, il avait un gilet pare-balles. Ça doit être un ancien flic. Ah, quoique, s'il va par là-bas. Il pourra pas remonter normalement. Tac, 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 tac. Vite, vite, vite. Est-ce que ça s'est monté aux échelles ce machin? Non? J'ai eu un doute pendant un moment. Non, non, il s'est pas remonté. Ok. Putain, mais j'ai gaspillé combien de munitions, sérieux? Oh là là. C'est du grand n'importe quoi. Bon. Ouais, je suis pas venu tout à fait pour rien. Mais je suis pas sûr que ce soit ultra rentable. Oui, j'arrive, attendez. J'ai un peu pris mon temps, c'est vrai. Note échange. Oh, c'est trop long, c'est encore ish. Hop. Alors là, je peux pas ramasser. Mais je peux rien faire avec le chiffon. Bon. Je peux pas ramasser toutes les ressources. Tac, tac. Ouais, bon, j'ai l'impression d'être venu un peu pour rien. Je regrette d'avoir perdu mon temps ici. Hop, on peut sauter directement. Quoi, il veut pas passer? Allez, saute. Oh, on est obligé de repasser par le claqueur. Oh là, vous me faites chier, sérieux. Arrête de bouger. Arrête de... Putain, mais c'est pas vrai. Comment ça se fait que je touche pas? Putain, mais... Il me fait chier, ce claqueur de merde. Je suis en train de gaspiller toutes mes balles. Comme un boulet. Non, mais... là, je suis quasiment sûr de l'avoir touché. Hein. Mais... C'est pas vrai? Non mais... Allô quoi? Putain. C'est quoi cette blague? Alors son gilet pare-balles le protège vraiment bien, je sais pas, mais il me semble que je l'ai touché plusieurs fois. Je suis pas d'accord là. Donc j'ai gaspillé 3 flèches en plus. Putain, j'ai envie d'aller voir si je peux en récupérer une, mais... Ah non, il m'a capté. Bon, désolé pour cette phase de gameplay complètement pourrie. On dégage. Putain, mais n'importe quoi. Toutes les missions que j'ai gâchées. Mon dieu. Allez, Ellie. Bouge tes fesses. On a perdu assez de temps comme ça, là. Ah, mon dieu, il me reste que 2 flèches. Alors, j'ai utilisé quoi? 2 flèches, 2 cartouches de pompe, 2 munitions de fusil. 6 ou 7 balles de revolver. Regarde si ce générateur marche encore. Pistolet. Et pourquoi la palette elle s'est dégagée là? C'est quoi cette blague? Oh mon dieu, une alarme. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et moi, je passe comment? Oh là là. Tout ce que j'ai gaspillé, mais non, c'est de l'arnaque. Hey! Bordel. Et moi, je passe? Comment? Renvoie-moi le truc, vite. Ah non, il me fait monter comme ça. J'arrive. Mais oui, je suis là, Henri. Je pensais qu'ils allaient me renvoyer la plateforme. J'entends pas leur voix. D'accord, ou alors c'est le bruit du générateur qui est trop fort, je sais pas. Putain, j'ai plus rien en munitions. 2 balles, sérieux. C'est pas vrai d'être aussi naze. Hein. Allez, caisse à outils, hop. J'ai plus de place pour les chiffons, tout va bien, j'ai toujours pas d'alcool. Super.
Ouais. Ouh. On dirait une école. Oh là là. C'est une sorte d'alarme. Bah tant que ça tire pas les... Ouais, quelqu'un vivait ici. Les claqueurs. Mais on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. J'entends un bruit. Qui voudrait vivre ici ? Non, on va voir ça dans ma tête. Tout va bien. Alors fermez bien la porte, demandez le mot de passe si vous ne connaissez pas le visiteur. J'arrive pas à lire no. Ouais. Va te cacher quand tu entends l'alarme. Ok. Ouh. Ouh, ça va me plaire ça. Alors c'est une petite arme ou une grosse arme ? Une petite, nickel. Donc c'est une espèce de mini fusil à pompe. C'est pas les mêmes cartouches. Heureusement. Attendez, on continue de regarder un petit peu les alentours. Attendez, non, on va rester par là pour le moment. Hé Sam. Ouais. Henri, t'as vu ça ? On évite de faire du bruit, ok ? Ouais. Désolé. Mais c'est pas comme s'il y avait des claqueurs hein, partout, n'est-ce pas ? Hop. Quoique pour le moment ça a l'air assez safe. Encore du tissu, mais ils le font exprès, hein. Ils nous mettent 3 tonnes de tissu et pas d'alcool. Putain, c'est le mode difficile qui veut ça ou comment ça se fait que ce soit aussi déséquilibré là ? Putain, laissez-moi passer. Merci. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Il y avait juste la petite scénette. Football. Bon, on va utiliser un peu le fusil classique. Oh, désinfecté. Silence. Bah, j'entends rien, moi. Hein. Bon. On va rester accroupi. Je n'entends rien du tout. Toujours rien. Et puis il reste debout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger imminent. Ouh putain. Oh la blague. Mais... Quoi ? Attends, il s'est pas pris mon pompe, c'est quoi cette blague ? Mais je vous laisse vous débrouiller. J'ai besoin d'économiser mes munitions. Putain, qu'est-ce... Mais... L'autre, il vient de se prendre une cartouche de pompe et il continue d'avancer. Putain de saloperie. Ou un claqueur. Claqueur, claqueur, on sort le fusil. Arrête de bouger. Tiens. T'es mort ? Putain, j'ai plus de munitions pour rien. Vu qu'on est tombé sur un claqueur, ils sont partis depuis longtemps. Putain. On n'a plus qu'à espérer qu'il n'y en ait pas d'autres. Je suis pas dans la merde. Ah, des munitions. Mon dieu. Putain. Faut vraiment... Mais non, mais j'arrive pas à viser. C'est fou, ça. Putain, je suis pas dans la merde, sérieux. Parce que je crois qu'en plus, après, il y a une zone qui est blindée de monstres. Allez, encore une note. Récupération... Pardon, récupération de pluie. Je n'ai pas envie de lire. Encore ish. Ok. Ok, ok. Bon. Hop, on redescend. Putain, merde. Niveau munitions, je suis pas bon du tout. Il a fallu que je gâche 3 flèches. Putain, l'idée de merde que j'ai eue, sérieux. J'en reviens toujours pas. Tiens, une porte avec surin, s'il vous plaît, avec plein de munitions derrière. Même pas, d'accord. Merci beaucoup.
Alors, c'est quoi cette salle? Oh. D'accord. Un petit dessin. Des petits dessins sur le mur. Ouh, les pilules. Note piégée. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On est piégé. Je crois que tous les autres sont morts. Certains des petits sont avec moi. Désinfecté, tape à la porte. Je ne sais pas combien de temps on va tenir. Si Ish et les autres sont en vie, ils pourront peut-être nous retrouver. S'il faut en arriver là, je ferai ça vite. C'est pas vrai. C'est toi, Kyle? Et t'as tué tous les gamins, là? Et ici, tu es comment? Ouais. Bon. Voilà, la pièce a déjà été visitée, ils ont récupéré ce qu'il a utilisé pour se tuer. Je ne sais pas. Rouage. Ok, alors je commence à avoir pas mal de rouages. Ça serait bien de trouver un établi. Surtout que j'ai trouvé une caisse à outils. Donc j'ai un nouveau niveau pour les armes. Allez, on avance. Donc là, on a vu des rats. Il n'y a rien d'autre apparemment. Ouh, ça brille. Ouh, de l'alcool. Hey, tu crois que ça conduit dehors? Possible. Mais c'est trop haut pour la... Putain, j'ai toujours pas une portion d'alcool complète. C'est verrouillé? Bon. Oh, je crois que c'est cette zone qui est blindée. Ça va, Kyle? Ça va? Ouais. Ouais, ça va. C'est moi. J'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henri, essayons de la soulever. Bon. C'est plutôt gênant. Ouais. Je sais, toujours la des même... Des claqueurs! Quoi? Eh, ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en! Sam, reste à côté de lui. Henri, faut qu'on bouge de là! Fais bien gaffe à lui! Allez! Oh, si on a la même chose de ce côté. Ouais, ouais, je sais. On n'est pas dans la merde. Allez, viens, petit. On va aller de là. Okay. Est-ce qu'on peut passer en full infiltration? Je ne sais pas. Okay. Ça pourrait être... De toute façon, je crois que j'ai pas trop le choix, hein, vu mes compétences pour me défendre. Oh, de l'alcool, merci mon dieu. Alors, je fais quoi, un cocktail molotov ou de la santé? J'en sais rien. Pour l'instant, on fait rien du tout. On va essayer de passer. Vous avez vu? Restez derrière moi. Si je cours, vous courez. D'accord. Attends, il vous voit le petit? Il est sérieux? Alors si c'est des coureurs et pas des claqueurs, je peux les tuer discrètement sans utiliser de surin. Par contre, dès que je serai grillé, eh ben, on sera dans la merde. Celui-là, là, on va essayer de le choper. Non, viens pas. Attends. Non, 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 il vient. Oh, oh. Non, mais ils viennent de partout, là, en même temps, en plus. Attendez. Les deux vont arriver en même temps, hein. Non? C'est un claqueur ou pas? Je me rends pas bien compte. Oh, putain. Ah, salut. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai même pas récupéré de briques. Hein. Ça, c'est un claqueur. Putain de merde. Là, c'est pas logique qu'ils viennent vers moi. Cassez-vous. Putain, j'ai pas eu le deuxième. Prends feu le deuxième, vite. Oh putain, je pensais en avoir deux. Mais non! L'arnaque. Putain, mais c'est pas vrai. Allez, faisons-nous tuer. Putain, là, je l'ai touché à la tête.
tête, ça suffit pas pour le tuer. 2 balles. Bon, pour une fois, j'arrive à viser. Mais j'ai plus rien acheté. Bon, on va se refaire un cocktail Molotov. Mais je suis un peu déçu. J'aurais dû en tuer 2, là, sérieux. Putain. Et l'autre, là, le gamin, là, tu sers à rien. T'as pas un flingue. Ça, c'est des coureurs, ça. C'est pas des claqueurs. Donc, au corps à corps, ils sont un peu plus faciles à gérer. Ouh, il y en a un pas loin, là. Arrêtez de courir comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont, là? On dirait des demeurés, là. Alors ils ont fait exprès de les faire courir comme ça pour pas qu'on puisse les choper. Parce que là je peux pas le choper discrètement hein, vu comment il court. Putain, est-ce que j'essaie de me le faire au corps à corps quand même? Ou on passe juste? Putain mais il court n'importe comment. C'est quoi? Oh putain. J'ai vu la munition, mais on court, y'a personne derrière. Non, si, y'en a un qui arrive. Punaise. Donc j'ai gaspillé la moitié de mon arme de corps à corps, c'est génial. D'où ça vient le bruit? Putain, je comprends pas pourquoi il court là. C'est vraiment très étrange comme comportement. Qu'est-ce qu'il a laissé tomber lui? Oh, des munitions. J'apprécie. Tiens, toi, j'espère que t'apprécies. Saloperie. Alors, ils ont l'air assez stupides quand même. Par contre, j'ai plus rien pour frapper. Ou alors, j'améliore l'arme. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On améliore l'arme de mêlée. Quoique j'ai les bombes aussi, putain j'y pensais même pas. Ah, oh, j'aurais pu faire un piège et tous les attirer, je sais pas comment, mais merde. J'y pensais plus aux bombes. Surtout que je viens de les améliorer, j'ai pas lu le détail de l'amélioration. Putain mais... Oh merde, je me disais j'entends un bruit. C'est pour ça que je me suis tué. Mais, c'était pas une bonne idée. J'aurais dû regarder derrière moi. Oui, parce que je joue sans casque, là. Donc je me rends pas forcément compte d'où viennent les sons. Mais j'ai l'impression qu'ils reviennent à l'infini. C'est quoi cette blague? Ils sont toujours 5, là. Ah, mais au moins, ils donnent des munitions. Alors, attendez. Ils sont toujours 5. C'est quoi cette blague? Bon, il va falloir qu'on avance alors, je sais pas trop comment. Est-ce qu'il y a eu d'autres munitions de lâcher? Oh merde! Lâche-moi. Le petit là, mette surtout pas, t'as raison. Regarde-moi crever. Putain, non, mais là, je vais mourir, là. Laisse tomber. On bouge. Hop. Personne me suit, on va avancer. Allez. Ils sont toujours 5? Oui, ils sont toujours 5, allez. Putain, mais c'est n'importe quoi. Oh, mais il m'a suivi. Putain, je pensais qu'il allait pas me suivre. Vite, éclate-le contre le mur. Dépêche-toi avant de crever. Il a donné quelque chose? Non, merci beaucoup. Putain, je peux pas faire une sieste là pour récupérer de la vie. Ah mais non, putain, je voulais me soigner, mais si vous me faites chier, ça va pas être possible. Je peux me soigner ou bien? À ta gauche. À ma gauche. Bah ouais, mais ils viennent toujours à l'infini du même endroit là, putain. Non mais allez. Super. Alors je comprends pas pourquoi ils sont... toujours à l'infini, les mecs, là, c'est n'importe quoi. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de passer normal. Putain, c'est pareil. Alors, après, j'ai les bombes. Au moins, les deux claqueurs, faut les faire péter, quoi.
Ils sont où les deux claqueurs? Mais là, ils courent pas n'importe comment encore. C'est un claqueur, ça. Oh putain de merde. Non, c'est pas un claqueur. Et là, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, bon, allez. Je suis déjà mourant, c'est génial. Ça, c'est un claqueur. Est-ce que j'ai eu le deuxième cette fois? Non, toujours pas, putain, c'est pas vrai. Ah, et pourquoi tu crames pas là-haut? D'accord. L'autre il crame 3 ans après quand il n'y a plus de flamme sur lui. C'est complètement con. Putain, merde, merde, merde. Ah, le dilemme. Allez, on va se faire plutôt un kit de soins. J'ai des bombes. Par contre, il faudrait vraiment que je trouve de l'alcool rapidement, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, on va repasser avec les flingues classiques. Quoique, comme ils courent comme des abrutis, tout ce qui est pompe est plus efficace, je pense. Parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'ajuster notre tir. Bon. On va quand même rester au revolver pour le moment. Ils sont comment, là? Ils sont toujours là en train... Mais d'où? D'où il sort celui-là? En plus, j'ai tapé trop tôt, je me prends une baffe, tout va bien. Putain, mais... Esquive pas surtout, l'autre il se laisse faire, c'est génial. Ouais. J'attends bien le dernier moment pour jeter ta brique, toi, le gamin. Il aurait pu l'acheter avant que je me fasse attaquer, mais non. Oh putain, allez, ça me saoule, vous savez quoi, on va essayer une autre technique. Oh putain. D'où tu sors, toi? Je sais pas. Allez. Je sais pas où je vais, on y va. Là. Ok, il est où, Sam? Mais c'est quoi cet endroit, quoi? Mais d'où? Il sait où je suis? Mais c'est n'importe quoi. Mais je sais même pas si... Non, il court au hasard, en fait. J'en sais rien du tout. Allez, on trace comme un abruti aussi. On va faire comme eux. On court n'importe comment. Allez. Salut. Putain, mais ils vont même pas vers moi. Je comprends pas leur... leur façon de faire, là. Oh, putain. Cassez-vous, cassez-vous. Dégage. C'est en train de m'énerver, là, cette phase, là. C'est du grand n'importe quoi. Allez, je cours après un infecté, tout va bien. Putain, c'est ridicule. Mais non, mais d'où vous sortez, tout, ça? Le gamin vient pas m'aider. Oh, putain. Alors, je vous jure, là, j'en ai vraiment marre, parce que j'ai pas assez de munitions pour tous me les faire. J'ai l'impression qu'ils reviennent à l'infini. Donc, je sais pas quoi faire, là. Merde. Parce que j'en ai tué beaucoup, hein, tout à l'heure, hein, la première tentative. Hein. Bon, alors je repasse en normal. Et tant pis pour le mode difficile. Putain. Mais d'où tu me vois? Allez, viens, viens. Ah, c'est plus efficace que le pompe, j'ai l'impression, dis donc. Ça les one-shot. Oh, deux munitions. Merci. Tellement généreux. Oh! Attends, je peux en cumuler que 6, je viens d'en gaspiller 2. J'en avais déjà 4, et lui m'en donnait 4. Oh, dégoûté. Bon, on va utiliser ce flingue. Hein. D'accord. Je comprends vraiment pas les monstres, là. Ils sont trop chelous. Hop, on va se faire ça aussi. Ça les one-shot. Alors, je me tais pour les entendre arriver. C'est saloperie. Hein. Il a rien donné? Non. Alors, pour revenir sur le casque audio, le problème c'est que mon casque est grésil sur la télé. Je comprends pas pourquoi. Parce que sur le PC, j'ai aucun souci. Donc, je pense que ça vient de la télé qui est. Je sais pas. De la grosse merde au niveau du casque audio. Mais. Sors ton flingue! D'accord, alors. D'accord, 3 balles. Il est pas mort. On m'explique. Alors que les hackers, je les ai one shot. Non, 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 j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie, cassez-vous. Le gamin, là, sauve-moi la vie, je sais pas, fait quelque chose. Mon dieu. Laissez-moi récupérer. Putain. Est-ce qu'ils me suivent? S'ils me suivent, je suis mort. Non. Super.
Putain, mais alors l'autre, je lui ai tiré deux fois dessus, ça l'a pas tué. Je crois que la troisième balle, je l'ai gaspillée, j'ai tiré dans le vent. Ou la deuxième balle, je sais plus. Mais merde. Hein. Ah, je peux plus améliorer mon arme. Et l'autre, là, qu'est-ce qu'il fait dans le coin, là? Cette phase est ridicule. Je sais même pas où je dois aller. Et ils sont toujours 5, hein, en permanence. Parce que j'en ai tué quoi, 2, 3 ? 3 ? Putain, ou alors il y a un parcours safe ? J'en sais rien du tout. Safe mon cul, ils sont 6, 7... Oh non mais non mais... Non mais... Cette phase de jeu, je la comprends pas là. Allez, on va essayer de passer en force, je sais pas pour aller où. La caméra ne suit pas, c'est très sympathique. Putain. Mais si je savais au moins où je devais aller. Oh, il m'a crié. Mort. Mort. Oh putain, c'est moi qui vais crever. Allez, je le recours après, j'adore, c'est complètement ridicule. Ah, c'est le petit. Putain, dans l'épaule, dans la tête. Voilà. 4 balles. Hop, on va passer au pistolet à la place du revolver. Tac. Et ils sont toujours 15 000 ? Mais... Ah, ils sont que 4 ? Alors, faut en profiter, peut-être il y a un petit moment de répit. Putain, j'entends du bruit derrière, je crois. Non, mais d'où vous venez ? Putain, c'est pas vrai. Putain, j'ai frappé trop tôt. Le gamin, là, il me suit pas, là. Balance des briques, allez. Allez, éclate-moi ça contre le mur, vite. Il y en a un autre ou pas? J'entends pas. Non. Oh, merci. Non, je vais pas me re-soigner, attendez, sérieux. Oh, putain. Si, si, je vais me re-soigner, je veux passer cette phase-là. Alors, apparemment, ils se sont calmés. Ah non, il y en a juste là. Il y en a deux à côté. Putain. Lui, là, il est pas loin, là. Je vois pas son corps, je vois que le rond de sa tête. Ah, mais d'où ? Saloperie. Non, ma vie, je viens de la récupérer, bordel de merde. Donne-moi quelque chose au moins, là, trou du cul. Bon, et où est-ce que je vais, là? Je sais même pas. Allez, je cours comme un abruti. Il y avait un truc à récupérer. Si c'est de l'alcool, je veux... Oui, de l'alcool, on prend. Tac, 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 on prend tout en passant. Il n'y a plus rien. Putain, il suffisait de tracer dans cette zone. Oh non, 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 salut. Je pensais que c'était une autre zone safe. Donc là, apparemment, on est au niveau de la salle de classe. Hop, une petite note. Dessin d'enfant. Le protecteur. Oh, j'entends du bruit. Mais d'où tu me suis, toi? Oh, trop tôt, encore une fois. Ah, tiens, pour une fois qu'il m'a servi quelque chose, le gamin. Oh non, mais ça vient encore, là. Putain, ça l'a pas tué d'un coup, mais c'est fou. Les claqueurs, j'ai réussi à les tuer d'un coup et pas eux. Bon, on va repartir. Ça ira. D'accord. Putain de merde. C'était une phase complètement pourrie. Tu veux un petit nounours? Ah putain, on était juste à côté en plus tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont morts tous? Alors je crois que oui. J'espère que je vais pas me faire arnaquer. Et me faire surprendre. Hop. Il y a des choses à récupérer un peu partout. Et là, bien sûr, ils reviennent plus à l'infini, contrairement à tout à l'heure. C'est d'une logique parfaitement implacable. Putain, n'importe quoi.
J'aimais dessiner avant. C'est tout ? Il est où ? Il y a peut-être une phase à déclencher avec triangle, je ne sais pas. Bon, je sais même pas d'où venaient là tous ces infectés à l'infini là. Putain, j'ai dû en tuer pas loin d'une dizaine. Hein. Sérieux. Du sucre. Alors qu'est-ce que je peux améliorer ? Vitesse de soin. Ah, ça peut servir. Ouais, allez, on augmente au moins une fois. Faudrait que j'augmente aussi la stabilité de l'arme. Parce que déjà que j'ai du mal à tirer, mais alors en plus... Lui-même n'est pas stable du tout. Là, j'ai fait le tour. Ok, pousse-toi, Henri. Hein ? Sam, j'ai pardon. L'impression qu'il y avait un petit dent qui vivait ici. Ouais, on dirait. Ouais. C'est des espèces de douches, ça ? Ou des cabines ? Non, c'est des douches, mais je vois pas le pomme de douche. Ouais, enfin, en même temps. Vu l'installation, c'est un peu logique qu'il n'y en ait pas. Je vais faire ça avec des bassines. Allez, je crois que j'ai fait le tour, j'ai plus ou moins tout récupéré. On quitte cet endroit de merde. Vas-y. On dirait une salle de classe. Ils n'ont pas pu se défendre. Allez, Sam, dépêche-toi. Attendez, voilà. Je vais regarder le revolver. Une seule, ok. J'aimerais bien trouver un établi pour améliorer la nouvelle arme que je viens d'avoir. Si possible. C'est lui ? On y va. Attends, on y va, mais doucement en haut. Je suis super mal armé, alors on va pas faire n'importe quoi non plus. Joël, c'est eux ! Sam ! Oh, bon sang ! Oh putain. Ah mon dieu. J'essaye même pas de tirer, on trace. Vite, referme la porte, non ? Oui. Quelque chose pour barricader, non ? Ah putain. J'arrive. Carré, on se dépêche. Mais qui c'est qui a foutu un tuyau derrière là ? Ah non, je le sens mal, ils vont passer. Non, pas besoin, allez. On trace. Casse-toi, tu cours pas vite là, il me gêne. Hop, moi d'abord, les enfants après. Attends, je tourne en rond ou pas là ? Non. Attends, c'est safe là ou pas ? Peut-être pendant quelques secondes, mais je pense que ça va pas durer. Oh, une bouteille, oui, il m'en faut. Ah non, c'est un cocktail Molotov, nickel. Mais j'ai plus rien acheté. Hein. Oh non, ils vont arriver, je le sens. Putain, non. Non. Elle est bloquée ! Putain. Tu t'en occupes, Henri, ou je le fais ? Non, il le fait, ok. Oh putain, non, je le sens super mal. Allez, Sam, tu vas sortir aussi. Et toi, alors ? Hop, normalement, je peux le récupérer, hein, si ça ne sert pas. Oh, il est parti un peu loin, le deuxième. Bon, vous vous grouillez le cul ou pas, là ? Oh, ils arrivent. C'est pour ça qu'ils ont donné un cocktail Molotov. Ça en a eu combien ? Oh putain. Oh. Oh, le piège là-bas il a servi à rien. Je vais aller le récupérer avant de le perdre. Oh putain, claqueur. Non, je voulais faire le tour. Ah, je peux pas le frapper, si, allez. Eh quoi ? Oh, j'étais en train de le frapper là. Saloperie. Oh putain, j'arrive. J'arrive, je cours en rond comme un dindon. J'utilise un sur un, j'ai gaspillé deux sur un, tout va bien. Ah mais ça l'a pas tué en plus. Ah, l'arnaque. Ouais mais j'ai plus rien, ouais, allez salut. J'ai plus de sur un, rien du tout. Mon dieu. Leur frère. Regardez. Vous rigolez ou quoi ?
Merci de m'avoir prévenu, les gars. Elle est où, cette tour? C'est proche. Allez, on y va. Lol. Putain de zone à la noire. J'ai plus rien. Si, j'ai encore quelques trucs. Punaise. Par contre, j'ai plus de surin. Non. Non, surin. Mais on s'en est sorti. Oh. J'ai plus de lames. Oh. J'ai gaspillé mes surins sur les claqueurs. Bon sang. De toute façon, je m'arrête là. Ouais, ça fait 50 minutes. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à la prochaine pour la suite. Salut!